J'ai envie de lancer un uppercut comme un boxeur, mais celui-ci ne s'encaisse qu'avec le cœur. Tu peux bouger l'antenne, mais t'as pas de problème de récepteur. Si tu ne captes pas, c'est juste que tu regardes ailleurs. Surtout, ne te fie pas au nom de pied. Tant qu'il y en a au moins deux, tu peux toujours avancer. Car des mots bien lancés peuvent être aussi fatales que n'importe quelle autre arme beaucoup plus létale. Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie. Quand tu vois mon sourire en surface, j'ai envie de te dire, faut pas se voiler la face. Car à l'intérieur, il s'y déverse des torrents de larmes, souvent à contre-courant et parfois incontrôlables. J'en ai marre de cette vie, de ces cauchemars que je subis. C'est pourquoi je m'écris comme l'ont fait avant moi Fabien et Kerry. Une vie sans vie n'est pas une vie dans votre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie. Je suis comme Harry Potter face à Voldemort. J'attends qu'une seule chose, c'est que sonne l'heure de ma mort. Ces rêves sataniques me rendent mort. De mon vivant, je trouverai peut-être le bonheur en baptisant avec Satan. J'ai bien essayé avec Dieu, mais j'arrive pas à être heureux. Autant que j'aille voir le diable, il sera peut-être beaucoup plus charitable. Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie, mais c'est ma vie. Une vie sans vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour être dans cette situation? Plus ça va et plus je suis en saturation. Qu'ai-je donc fait pour mériter ce destin-là? Une vie sans vie n'est pas une vie dans notre vie.